J'aimerais savoir, quand les hommes parlent de respect, ils veulent parler de quoi au juste? Les hommes répondaient. Les hommes, quand vous parlez de respect, vous voulez parler de quoi? Ben, pour ma part, quand je demande que Blanche me respecte, ce n'est pas qu'elle me traite comme un dieu. Je demande qu'elle puisse me donner ma place de chef. Aussi qu'elle ait une manière de me parler. C'est quoi justement donner la place de chef? C'est dire qu'elle ne peut pas prendre des grandes décisions sans moi. Elle ne peut pas se comporter comme si elle est célibataire alors qu'elle est mariée. Il y a un temps qu'elle doit utiliser quand elle me parle. Il y a une manière, elle peut parler au chauffeur, parler au jardinier, mais quand c'est moi, elle doit changer le temps. Même quand il est en colère? Même quand il est en colère. Ah, pasteur. Oui. Pasteur. Sans colère. Il va parler au président. Tu vas parler comment? Tu dis, cher président, malgré que tu es en colère. Alors, le temps de la voix. Souvent, les hommes réprochent aux femmes le temps de la voix. Il y a une différence entre tu viens d'où et tu viens d'où. Tu vois le deuxième là? C'est la guerre. Ok. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Rien que ça, ça change tout. Le temps de la voix. Aussi, l'attitude. L'attitude que tu as. Tu parles à quelqu'un sans le regarder. C'est un manque de respect. Tu parles des fois même sans faire l'effort d'être entendu. C'est un manque de respect. Parce que l'homme voit comment tu parles à ton père, à ta mère, à d'autres personnes que tu respectes. Mais quand il s'agit de lui, tu ne lui donnes pas ce respect. C'est ça que nous réclamons. Comment tu parlerais au président? Comment tu parlerais à ta maman, à ta grand-mère? Comment tu parles à ton pasteur? Certains hommes sont jaloux des pasteurs. Pourquoi? Ils voient sa femme parler d'une certaine manière de son pasteur à son pasteur, mais quand il s'agit de lui qu'il a épousé, ça change. Donc, il y a beaucoup de choses, mais si je peux épingler le ton de la voix, il est très important dans le mariage.